Pour l'expression du rendement, on s'intéresse ici au cycle B, C, D, E. On commence par donner une expression classique d'un rendement qui est état égal à l'énergie utile sur l'énergie consommée. Comme il s'agit d'un moteur à explosion, l'énergie utile est l'énergie fournie par le moteur, le travail fourni par le moteur, donc le travail du cycle. Et comme c'est une énergie donnée à l'extérieur pour faire tourner les roues, elle est comptée négativement par rapport au cycle. Et l'énergie consommée, c'est la chaleur fournie au moteur lors de l'explosion, donc lors de la phase CD, qu'on va appeler QCD. On va exprimer le travail du cycle à partir du premier principe de la thermodynamique, qui dit que la variation de l'énergie interne du cycle est égal à 0 et est égal à la somme des chaleurs du cycle plus la somme des travaux du cycle W cycle. On en déduit donc W cycle égal à, comme ici on a besoin de moins W cycle. Non, on met un signe négatif ici. Et donc égal à Q cycle. On remplace. Q cycle sur QCD. Q cycle correspond à la somme des chaleurs du cycle. Donc, Q cycle égale à Q BC plus Q CD plus Q DE plus Q EB. Comme les transformations BC et DE se font de manière adiabatique, alors QBC et QDE valent 0. Donc on remplace. Qui est aussi égal à 1 plus Q EB sur QCD. En thermodynamique, la variation de l'énergie, la variation de la chaleur peut s'exprimer de la manière suivante. M, CV, DT. CV qui peut être remplacé par CP lorsqu'on est à pression constante. Mais ici, QEB et QCD se font à volume constant. Donc on laisse. On applique la formule AQEB. TB moins TE sur MCV TD moins TC. On simplifie. Alors, on va exprimer les températures TB et TE de manière à avoir au numérateur TD moins TC en facteur. On pourra donc simplifier. Et pour ce faire, on va utiliser la loi de Laplace qui dit que la température fois le volume à la puissance gamma moins 1 lors d'une transformation adiabatique est égal à une constante.
On l'applique à la transformation BC, TB, Vmax, gamma moins 1, TC, Vmin, gamma moins 1. On exprime TB. On fait pareil pour la transformation DE. Donc, TE, Vmax, K-1, égale à TD, Vmin, K-1. On exprime TE. À la puissance gamma moins 1. On va remplacer dans l'expression du rendement. Mais ici, on peut mettre en facteur Vmin sur Vmax puissance gamma moins 1. Ici, ça ne change pas. Ici. Et on a Fémine sur Fémax. Comment on a facteur de TC moins TD. Or, ici, ça ne nous arrange pas, on ne peut pas simplifier puisque c'est l'inverse. C'est TC moins TD et non TD moins TC. Donc, on va tout simplement changer le signe ici. Donc, état égal à 1 moins donc, on remplace les signes. TC était positif devient négatif. TD négatif qui devient positif. Et on simplifie. Maintenant, on va utiliser une petite propriété mathématique. Qui dit que A sur B est égal sur B sur A. On l'applique à V min sur V max est égal comme moins 1. Et ceci, c'est ce qu'on appelle le taux de compression. Noté A. Donc, donc, état égal à 1 moins 1 sur A à la puissance gamma moins 1. Et voilà, on a l'expression du rendement.